Beau matin à toutes et tous. On se retrouve pour la guidance de ce jeudi 26 septembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, petite pensée positive pour ce 26 septembre, humilité. C'est une grande leçon d'humilité que de constater qu'en notre absence, les gens ont su se passer de nous. Et faire aussi bien. Et oui, c'est une grande humilité. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé le miroir, illusion. Alors, le miroir est une porte d'entrée vers des mondes et réalités parallèles. Il peut être utilisé comme un outil pour se connecter avec des entités ou des énergies supérieures pour explorer des plans de conscience plus élevés et pour accéder à des guidances ésotériques. Miroir, illusion. Mais le miroir, ça peut aussi être le reflet de vous-même. Il reflète, ce miroir, votre perception limitée du monde. Et il vous rappelle que votre réalité peut être déformée par vos filtres et vos croyances. Eh bien, ce miroir, il vous invite à faire face à vos vérités les plus profondes, et ainsi à examiner, eh bien, votre propre reflet intérieur. C'est pas facile, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, il est temps de vous confronter à vos peurs, à vos limitations et à vos schémas de pensée négatifs qui entravent votre croissance personnelle. Le miroir. Je vous invite à vous mettre devant un miroir. Et à vous poser ces questions, qu'est-ce qui me fait peur? Pourquoi je suis limitée pour ça, pour une telle chose? Pourquoi j'ai ainsi des pensées négatives qui me font faire du surplace? Qui ne me font pas avancer. Avez-vous posé votre question? Si vous ne l'avez pas posée, je vous laisse un instant. Bien. Alors, la réponse à votre question, eh bien, c'est non. Il existe une résistance au changement lié à certaines croyances issues de votre passé. Donc là, il faut vraiment que vous retourniez dans votre passé pour voir ce qui sont ces pensées limitantes, ces peurs. Pourquoi? Vous seul le savez et vous seul allez trouver des réponses. Cette guidance du miroir vous met au défi d'affronter certains aspects de vous-même. Et dans cette situation, n'est-ce pas, il vous invite à vous ouvrir à l'introspection profonde et à faire preuve, évidemment, de courage pour regarder au-delà de vos peurs. Alors moi, je vous invite d'utiliser ce miroir comme un outil de réflexion, mais une réflexion honnête et sans jugement, afin de, eh bien, de reconnaître les zones d'ombre en vous et de les transformer
ces ombres d'ombre en lumière. C'est un beau travail que cette carte vous demande de faire. Et croyez-moi, si vous y arrivez, waouh, quel soulagement vous allez avoir. Vous pourrez vous regarder dans ce miroir sans questionnement, avec beaucoup de plaisir, de sérénité. Eh bien, c'est un beau message, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, j'ai pigé dans le message des anges gardiens, unité. Quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ceux que nous aimons spirituellement ne nous quittent jamais. Toute création est éternelle. Rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Waouh ! Eh bien voilà, écoutez, demandez à cette personne qui est là, présente, toujours dans votre cœur, de vous aider dans ce cheminement aujourd'hui avec le miroir et demander à votre ange gardien. Je vous souhaite une excellente journée, une journée lumineuse, plein d'amour, et puis on se retrouve demain pour le dernier message de cette semaine. Et d'ici là, portez-vous bien, et moi je vous embrasse, à demain.